guys. Voilà, petite vidéo hebdomadaire. Hein. Bref, de pâtes. Alors, je ne suis pas à vélo aujourd'hui. Je suis juste dans mon bureau d'extérieur. Comme j'aime l'appeler, c'est juste un endroit qui est à Chenôve, au-dessus de chez moi, où il y a une table en bois qui me sert de bureau, où j'installe mon ordinateur. Et puis voilà, j'ai les arbres et surtout j'ai le vent dans les arbres. Et donc cette petite vidéo, pas suite, ou pas suite d'ailleurs, aux séances de symphonie de groupe d'hier, où ce qui a encore remonté, ce qui a émergé, c'était donc le recevoir. Étonnant, ou alors est-ce que c'est ma propre énergie qui me conduit à ça? Et hier, j'ai relisé une partie du, enfin une partie, un tout petit paragraphe du manuel DCF, et je suis tombée sur ce truc qui est le conflit que l'on entretient avec le recevoir. Et donc, et cette question, quelle limite as-tu imposée à ton recevoir? Et partout où tu t'enfermes dans ces limites, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout ça? Point de lien. Right and wrong, good and bad, plan, proper, night, short, suppose and beyond. Et ce conflit que nous entretenons, c'est pour garder le contrôle. Qu'est-ce que je vais recevoir? Qu'est-ce que je ne veux pas recevoir? Et souvent, ce que je ne veux pas recevoir, que ce soit positif ou négatif, si on veut passer par cette linéarité, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce que c'est significatif? C'est en fait la limite que l'on s'impose, derrière lesquelles on reste, afin de maintenir le statu quo, afin de ne pas amener quelque chose dans notre monde, dans notre vie, qui pourrait faire tout exploser ou imploser. Et en dernier ressort, ce serait pour éviter tout changement qui fasse disparaître ces limitations, ces frontières que nous avons nous-mêmes installées. Et là, ce qui me vient très amusant, et si par rapport aux possibilités, on avait installé notre propre passe sanitaire. Et voilà ce que ça fait remonter. Et aussi, cette notion que le recevoir, je vous rappelle ce qu'on dit Gary, recevoir, c'est la capacité à être conscient de tout ce qui est sans jugement. Et si notre recevoir était entier, lorsque l'on est prêt à avoir conscience de tout. Pas uniquement ce qui nous met dans le juste ou le tort, mais de tout. Alors, par exemple, ici, là où je suis, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je ne reçois pas? Je reçois le vent, je reçois le souffle du vent, je reçois le soleil. Mais lorsque mes yeux se portent au loin, il y a ces fils électriques, il y a ces pylônes électriques. Est-ce que je les reçois? Il y a tous ces buildings, il y a aussi au loin toutes ces usines et ces fumées d'usines. Est-ce que je les reçois? Et qu'est-ce que je ne reçois pas de tout ça? Et voilà.
Eh bien, ce fut court. Et à bientôt, mes amis.